Et Xehanort MVP. Alors qu'il est mort dans une autre réalité, c'est ça qu'il faut voir. Je pensais que nos recrues auraient besoin d'un temps d'adaptation. Blessure légère pour mais Saren. Elles ont été remarquables, commandant. Ce qui est embêtant parce que c'est notre healer. Donc, même pas de level up pour Xehanort. Notre deuxième classe. Alors, Mr. Bwix, hein, il a tellement rien foutu, même en deuxième classe, il level pas. C'est la tristesse. J'ai déjà un perforateur, mais moi j'aime beaucoup perforateur. Parce que le reste aux F. Perforateur. Et donc, notre caporal, qui va donc Galgarat, qui va up en sergent. Et qui va devenir. Ah oui, donc lui, c'était un deuxième offensif. Où est ta sœur, ta mère et ton père? On le voit jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Putain, le deuxième classe qui a même pas level up tellement il a servi à rien. C'est triste. C'est triste. Mr. Bwix, si tu es dans le coin, je suis très très déçu. Je suis très très déçu. On a eu un noyau d'Elerium. Les principales troupes de choc des extraterrestres sont encore plus dangereuses que lors de l'invasion. Nous espérons reproduire leurs explosifs à base de plasma pour notre propre usage. Excellent travail, commandant. Merci. Vos efforts ont galvanisé le mouvement de la résistance dans le monde entier. La tristitude du sniper m'y obmet tellement. Alors, on est où? On fait quoi? On peut pas encore contacter... Bon, ici, on peut pas encore. Là, il y a des forces spéciales. Je sais pas quoi, le marché noir. On a déjà vu Afrique G. On est où? On est là. Ouais, bah si, on peut aller là. Même s'il aurait fallu faire le stade aussi. Ressources, soldats. Je préfère des ressources. Calcul du nouveau cap du Talion. Comme quoi, la simulation leur a permis de mieux appréhender le terrain. Mais tout à fait. Tout à fait. Le terrain d'essai est prêt, alors, nouveau projet d'ingénierie disponible, nouvel emplacement de personnel disponible, accélère les projets du terrain d'essai. Brigitte Richard maintenant disponible. C'est absolument pas ce que c'est. Yop Diadrax. C'est joli en tout cas, c'est très très joli. Bienvenue au terrain d'essai, commandant. J'ai pensé qu'il valait mieux isoler certains de nos concepts les plus expérimentaux, notamment en matière de prototypes d'armement. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce que il y a genre terminer le projet du Jack dans le terrain d'essai? Vraiment, c'est ce que tu veux que je fasse en premier. Terminer l'étude du cryptage extraterrestre. Choix du projet. Jack, 5 en ressources, 14 jours. Avant même que nous ayons eu le temps d'effectuer les tests sur le terrain, les troupes avaient déjà pris l'habitude d'appeler cet objet un Jack. Pour simplifier, il s'agit d'une interface physique destinée à accélérer. À accéder à l'implant greffé dans le crâne des forces advent grâce à l'application dirigée d'implants. D'impact contondant. Bonne nuit à Riverel, bonne nuit Karim, bonne nuit à Gravy. Re Mr. Art. Médecine de combat. Est-ce que genre, là la quête veut que je fasse Jack. Mais est-ce que genre il y en a un autre que vous me conseillez à faire avant qui va complètement changer ma vie? Genre, médecine de combat. Le venin, car Jack l'avait pas. Ah, il peut faire tomber même le plus grosse hautain. Peut-être médecine de combat, ça a l'air intéressant aussi. Y'a plus d'oeuvres. Nous pourrions développer de nouveaux types de munitions, probablement plus puissantes que celles que nous disposons actuellement. Et nouveau type de grenade. Médecine de combat a l'air cool, ça devrait nous prendre que 4 jours. Munitions expérimentales a l'air cool. Les grenades sont bien, me dit-on. La médecine de combat est très importante. Je vais t'écouter, Amekaret. L'équipe va tout de suite se mettre au travail, commandant. Je vous préviendrai dès que nous aurons avancé. J'aimerais... Attends. Ok, 4 jours, c'est parfait, Brigitte Richard. C'est génial, j'adore ce que tu fais.
Plus de grenades, toujours plus de grenades. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le projet Avatar, il continue de progresser. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui nous intéresse. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Mais je suis désolé. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Je suis désolé. Ah, entraînement. Terminé, deuxième classe, Paul Walker, spécialiste. Donc ça fait un nouveau spécialiste. On va continuer d'entraîner du spécialiste. Il n'y a jamais trop de spécialistes. Ok. Ah, arme magnétique. Recherche terminée. Commandant. Assignation nouvelle ces recherche. Ces armes magnétiques ressemblent beaucoup au tout premier prototype de canon électrique. Les projectiles qu'elles tirent sont extrêmement rapides. Oh, ça me plaît. Ça me plaît énormément. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, nouvel objet disponible, fusil magnétique, nouvel objet disponible, canon à fragments, nouvel objet disponible, pistolet magnétique, nouvelle recherche disponible, arme Gauss. Après avoir enfin examiné le fusil Gauss dont Advent équipe ses soldats, je pense que nous pouvons développer une arme magnétique d'une puissance similaire. Pourquoi ne pas utiliser directement les armes d'Advent? La réponse a été découverte sur le terrain par les forces de la résistance. Il y a quelques années, les extraterrestres ont commencé à intégrer un système de vérification génétique à leurs armes qui les empêche de fonctionner entre les mains d'une espèce dont l'ADN n'a pas été encodé. Crane garde un peu de ressources pour fabriquer les armes magnétiques et les armures que je te conseille de faire très vite. Alors, malheureusement, ce système provoque des dégâts mortels sur les utilisateurs non autorisés et nous devrions communiquer le plus largement possible cette information aux cellules de la résistance que nous avons rencontrées pour développer notre propre version de cette technologie. Le Dr Shen et moi-même avons pris les composants des armes extraterrestres récupérées sur le terrain et utilisé les éléments principaux pour concevoir un prototype viable. Nous pouvons commencer à reproduire ce système en toute sécurité si les matériaux nécessaires sont disponibles. Continuer. Ok. Alors, le truc, c'est que j'ai les armes Gauss blindées, les armures blindées en 6 jours et les armes Gauss en 7 jours. Qu'est-ce que je fais en premier? Sachant qu'armure blindée, j'avais 50%. C'est pour ça que c'est que 6 jours, je crois. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Salut Galaxy Rick. Les courbes de Gauss, le pivot de Gauss. Elle s'en sort la gloutine, mais oui, tout va bien. Crane, arme Gauss égale sniper magnétique. Armure, l'armure te changera la vie. Ok, armure blindée. Nous nous mettons immédiatement au travail, c'est commandant. Lancé. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Et donc, du coup... Faute d'accès au combustible fossile raffiné, l'énergie se fait rare en dehors des villes. Même pour les anti-extraterrestres les plus acharnés, le matériel d'Advent reste particulièrement convoité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Donc, il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer pour les équiper. Ça, je peux pas, j'ai pas assez de ressources. C'est bien beau d'avoir fait les armes, mais si je peux pas les équiper, c'est la tristesse. Armure Crane Card, tout le monde en profite. Ok, ok. J'ai l'impression que Taigan se gratte souvent la cicatrice qu'il a sur la nuque. Je suis très très content de le savoir. Merci beaucoup. Ressources stratégiques localisées. 66 ressources, ok, très bien. Et donc après, je peux aller ici. Calcul du nouveau cap du Talion. Ah, t'as besoin que de le craft une fois pour tout le monde, le fusil? Le nanomedikit améliore de façon considérable les capacités de soins de votre medikit standard, ce qui permet aux soldats de récupérer plus de PV. Ça, c'est cool. Et du coup, maintenant, vous voulez que je fasse les munitions, c'est ça? Vous m'avez dit en deuxième.
Crane, tu peux échanger des renseignements contre les ressources au marché noir si tu en ressembles aux uns. C'est vrai. Crane, pour les armes, tu en craftes 6 en un coup avec le prix montré. Enfin, en gros, une craftée égale une pour tous. D'accord, donc il faut tout que je crafte en fait. Donc munitions en deuxième, vous m'avez dit. Salut Pao Pao Panda. Et après on va aller sur le stream de... On va aller sur le stream de Maudit quand même. Grenade dit Mr. The Spitfire. Les munitions remplacent les grenades. Ah bah non, ça va pas être possible. Je suis désolé, mais si les munitions remplacent les grenades, on va avoir des, on va aller avoir des problèmes. Tandis que les grenades expérimentales... Qu'est-ce que font les grenades expérimentales par rapport au reste? Parce que si les grenades remplacent les grenades, c'est pas grave, ce seront des meilleures grenades. Mais si les munitions remplacent les grenades, on va pas être d'accord du tout. Du tout, du tout, du tout. À moins que ce soit les munitions les plus cheatées du monde. Pourquoi le jack? Par contre, si vous pouvez m'expliquer à chaque fois, parce que je vais pas cliquer sur un truc, parce que vous me dites de cliquer sur un truc. Salut Lurgoyf, c'est aléatoire, les tech expérimentales, Crane. C'est une nouvelle grenade, Crane, les mêmes avec un effet de poison, par exemple. Elle t'amène aux grenades plasma. Attends, s'en fout les grenades. Ouais, ton sniper s'en fout des grenades, oui. Puis il les remplace par les munitions plus puissantes, sont mieux. Elle marche une fois sur deux. Ah, ça c'est nul. Et est-ce que les. Si je mets les munitions expérimentales sur mon sniper, vous dites ça marche une fois sur deux. Ça veut dire que s'il touche une fois sur deux, il fera zéro dégâts ou une fois sur deux, il fera juste les dégâts de base? Quand il clique sur un truc, ça c'est gentil ça. Les munitions COP. Bon, allez, on va faire. Le jack fait considérablement avancer l'histoire. Faut pas oublier que là j'ai le comment ça s'appelle, le projet Avatar of Doom qui est en train d'avancer aussi à côté, hein. Si à un moment je perds la game parce que j'ai pas assez avancé l'histoire, je vais avoir l'air con. Ok, Adra Eric. Non, mais on va tenter les munitions, ça a l'air marrant. Mais voilà, ça me fait un petit peu peur pour le. Si j'avance pas assez vite l'histoire et que je me fais avoir. Ok, bon, on va faire les munitions. Nous nous mettons au travail tout de suite, commandant. Voilà, dès fait. Que le projet est prêt, je vous contacte. Le centre de communication avec la résistance est cool. Opérationnel. Ça, c'est cool. Voir l'installation. Est-ce que j'ai besoin de faire des choses dedans? Je peux l'améliorer. Augmente les contacts avec la résistance. Il y en a une disponible. Je peux l'améliorer comment? Ah, ça permet d'ajouter un poste. D'accord. Et on ne va pas le faire pour le moment. Est-ce que... Personnel inactif, centre de communication. J'ai un personnel inactif. Qu'est-ce que je peux en faire? 22 euros. Bah non, il n'y a pas de personnel inactif. Centre de communication, qu'est-ce que tu racontes? Personnel inactif. Non, reviens. Reviens dans le vaisseau. Reviens dans le vaisseau. Pourquoi il est inactif? Parce qu'il n'y a personne à guérir, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais t'es gentil, mais blessé zéro. Les soldats. Ah oui, tout le monde va bien. Du coup, t'es en train de me dire de lui faire faire autre chose le temps qu'il n'y a pas de. D'accord, je viens de comprendre. Euh...
Ok, voilà. C'était donc pour ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ici ou je vais directement faire ça? Je vais peut-être directement faire ça pour après débloquer ça, puis ça augmente mes revenus. Et je mets ça, je finis pas. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est le plus intelligent, d'aller débloquer l'Europe de l'Ouest et puis potentiellement faire reculer le projet Avatar, ou de finir dans un premier temps l'effort spécial, sachant que j'ai armure blindée dans 4 jours. Et à mon avis, si je vais là-haut, il y a peut-être des chances que j'ai pas 4 jours pour... D'accord, Fenrir. Merci, merci pour... J'aurais bien aimé au moins tenir 4 jours pour avoir l'armure blindée. Salut, Sirlaz. Ravitaillement dans un jour. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, contacter l'Europe de l'Ouest ou l'effort spécial, mais c'est pour des soldats, donc c'est pas non plus... Le truc, c'est que ça... Ah, ravitaillement, c'est dans un jour, donc de toute façon, je l'aurais pas fini dans un jour. On va finir l'effort spécial. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, commandant. Merci beaucoup. J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. Opération cachée. Est-ce que c'est intéressant? J'ai que 47 renseignements, je vais peut-être pas claquer 20 renseignements pour avoir l'opération cachée. Oui, il faut absolument. Le bâtiment extraterrestre ne possède qu'un bloc rouge. Je ne pense pas que cela vaille le coup de le détruire maintenant. Prends le ravitaillement. Ouais, je vais aller chercher ça. Est-ce que je paye 20 renseignements pour l'opération cachée? Ça va créer une chute-partie. T'as l'air un peu mou, là. Bon, déjà, c'est pas très très agréable quand t'es en train de streamer. Quelqu'un te dit que t'as l'air un petit peu mou. Mais c'est merci beaucoup. Et je suis sur la fin de mission. De toute façon, on va enchaîner sur Maudit derrière. Tu peux le décacher à tout moment, au pire. Essaye surtout de comprendre le jeu. Salut Abibis. T'as besoin de tes renseignements pour contacter la résistance. Ok, d'accord. Donc du ravitaillement. Il faut aller enquêter sur le ravitaillement. Est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher tout de suite. Calcul du nouveau cap du Talion. Est-ce que ça prend un certain temps ou on peut... Non, ça prend 3 jours. Ok, on a eu ça. Ignoré. Nouveau personnel. Faut aller là-bas. J'ai 413. Alors, on va finir ici. Calcul du nouveau cap du Talion. Tu penses que le projet peut attendre que ton équipe possède les nouvelles armures et armes? Oui. Entraînement terminé. Continuer parce que okay, on va voir le soldat, mais je pense que j'en ai pas d'autres à entraîner. On va quand même aller voir. Non, il n'y a plus de soldats. Il va falloir que j'aille recruter des soldats. Ah bah là, de toute façon, je vais en avoir ici. Commandant, cet ovni nous a pris pour cible. Okay. Ordonner des manœuvres d'évasion. Je ne sais pas ce que c'est. Mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas gentil. Impossible. Les moteurs n'ont rien. À moins que... Ça
Ça doit être une impulsion électromagnétique. Si je pouvais contourner tous ces circuits extraterrestres, une minute. Shane. Ça n'accepte pas le transfert. Interface prête. Le système rejette toutes mes commandes. Shane. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Générateur de secours activé. Parfait, tout va bien. Pas de panique. Je veux un rapport détaillé des dégâts. On a un problème. Juste un seul. Ils viennent de larguer une sorte de pointe. Elle génère le même type d'impulsion que celle qui a secoué le vaisseau. Ce n'est pas nous qui veulent. C'est le vaisseau. Il n'y avait pas un moyen de neutraliser... C'est fini, Crane, sitôt tu peux recommencer une nouvelle partie. À ce point-là, Kéops ? Commandant, il va falloir faire ça à l'ancienne. La destruction de cette pointe est notre seule chance de nous en sortir. Les extraterrestres ne doivent pas prendre ce vaisseau. Nous perdons de l'altitude, commandant. L'OVNI a désactivé tous nos systèmes. Accrochez-vous ! Alors par contre, je peux prendre... C'est con, parce que... Nous pouvons envoyer des soldats blessés au combat si c'est nécessaire. Cette opération est vitale pour nous. Nous n'aurons peut-être pas d'autre choix si nous voulons continuer. On va peut-être fabriquer ça. Qu'est-ce que je vais fabriquer ? Et c'est moi Polo qui se réabonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien, merci, c'est moi Polo, plus d'un an de bisous, et bim, le resub de c'est moi Polo, et bim. Mon pistolet aux F un peu. J'ai acheté quoi juste avant ? Je sais plus ce que j'ai acheté. Je vais prendre une lame électrique aussi. Nanomédic. Ah, c'est con, j'en ai pas. Ah, j'ai pas de cadavre de vipère. Ça, c'est con. Et donc. Caporal, deuxième classe. Ça, déjà, tu m'excuseras. Mais on va prendre. Spécialiste. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Allez, on a déjà un tireur d'élite. Ah oui, là. Du coup, on a quoi? On a Galgara dans sergent. Et on va avoir Saren. Alors, attends. Major. Donc, ça, c'est notre healer, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté le shotgun magnétique, ah c'était ça, merci, merci beaucoup. Et donc là on en a deux. Et ils sont tous les deux sergents, donc ça n'a pas de grande différence, mais il y en a un que je pense que j'ai mieux équipé que l'autre. Donc là on a Silver Wolf, on a Serena, c'est le bon, et on a Dragofus. Ah oui, mais on est 6 maintenant, je viens de tilter. On n'est pas 5, on est 6. C'est donc ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Major, major, sergent, major, major. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste sergent, cap, cap. Pense à changer leurs armes. Ça a l'air de le faire automatiquement. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont équipés avec les bonnes armes. Si tu prends plusieurs snipers et un soldat pour rush la vue du dispositif, ces snipers pour tirer de loin. Ouais, mais le problème c'est que si je prends un deuxième sniper, c'est Mr. Gwix et il a rien du tout. Est-ce que c'est un entraînement? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on prend en sixième?
Le truc, c'est que j'ai pas monté un autre ranger. Deux rangers, ça... Là, on a deux spécialistes. Un healer, un DPS. On a un sniper, on a un ranger et on a un grenadier. Du coup, on peut en effet prendre un deuxième tireur d'élite. Selon notre rapport tactique, la mission aura lieu après une simulation douloureuse. Le plus bourrin, c'est de prendre un autre spécialiste. Je pense que c'est un spécialiste DPS. Puis c'est un sergent. Sinon, je peux prendre un grenadier ou un ranger. Ça fait mal quand même, les rangers. On va tenter. Mais il m'a tellement déçu, Mr. Briggs, tout à l'heure. On va tenter deux snipers. Team full grenadier, il n'y a pas le temps de faire de la dentelle. Nouvelles armes, garde les démarrations des anciennes armes avec un slot supplémentaire. Le truc, c'est que prendre un sniper, c'est prendre un Billy qui n'a pas une nouvelle arme. D'accord que lui, c'est quoi, c'est de la mobilité comme ça. Ceci dit, la mobilité sur le sniper, c'est pas con, hein, parce que c'est quand même intéressant qu'il soit rapidement sur le bon. Ça reine toi, t'es quoi dans la vie? Tu as piraté protocole de soutien, protocole médical. Ah mais non, ça va pas du tout. T'es pas notre healer. Non, je piche pas. On a deux healers là. Ah si c'est Saren notre healer principal. Si c'est Saren. Et là on a. Soldat 15% de tuer instantanément et là tu as une visée augmentée de 5%. Donc il n'y en a qu'un seul qui a 15% de tuer. Ah c'est con, c'est à toi que j'aurais bien aimé le mettre. Toi tu as les tirs manqués infligent quand même un point de dégâts à la cible. Et tu brises l'armure, donc c'est quand même intéressant. Non mais la mobilité. J'ai mis déjà de la mobilité sur les anneurs. Chargement d'une mission de toute une action, je peux lui mettre le 15% de. Ouais, c'est pas sur la même personne. Et on peut pas sur les snipes, donc c'est soit sur lui, soit sur ses devins. On va laisser comme ça, on va laisser comme ça. Le double sniper me fait pas rêver. Hein. Je le sens pas très très bien, le double sniper. Mais bon, on va tenter. Grande armure. Enlever l'armure de tous les soldats. Donc on a. Est-ce qu'il est amélioré lui? Oui, c'est un nanomédikit qui est équipé de base, donc ça c'est cool. Sniper, Mogro, Camus. Ouais, bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, du coup. Fais-nous confiance. Ça vend tellement du rêve, Galgaran. Donc, c'était marqué difficile. Hein. Ça me fait pas hyper rêver. Le double sniper sera utile dans cette mission. Tu l'as pas vu, Mr. Wicks, à la mission d'avant. Tu dirais pas ça si tu l'avais vu. Menace 1-5, situation critique. Système principal.
talion hors ligne et l'ennemi se prépare à attaquer. Par contre, il est 1h du matin, en plus Maudit a déjà commencé à liver. Ça fait 50 minutes que j'aurais dû arrêter et host son stream. Je suis un monstre. Donc on va sauvegarder et on va aller finir la soirée devant le stream de Maudit. N'oubliez pas de lui faire des bisous et de dire ce que vous avez pensé de son vlog, ça lui fera plaisir, je pense. Mince, attends, je vais laisser quelqu'un de parler. Ils nous envoient tout ce qu'ils ont sous la main. Si on ne fait pas décoller ce vaisseau, on risque d'y laisser notre peau. Cringe, je m'accale. Eh ben non. Alors, sauvegarder partie, nouvelle save. Team 012. Non, 0123, ça fait beaucoup. Et c'est bon. On va donc faire un petit retour bureau validé. On va donc changer de webcam, mettre un petit dindon, faire apparaître le texte de bonne nuit, en gros, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. On va... Une phrase, Crane pour Ren Maudit. Oui. Maudit, la puissance du Vlog. Ça m'a l'air très très bien, ça. Maudit ou la puissance du Vlog avec un kappa derrière. Voilà. Alors, attendez. Petite phrase de Red... Sur... Alors, petit raid. Sur... Quelqu'un peut me mettre l'adresse, s'il vous plaît, de Gaming Live, tout ça, la 3. Ah, quoique, si vous mettez l'adresse, vous allez y aller en avance. Aube. Alors, attends, Aube, est-ce que tu m'as mis l'adresse? Non. Il me faut une adresse, s'il vous plaît. Une petite adresse. C'est TV3, je sais plus quoi. Mais avec le décalage, en plus, le truc, c'est que vous allez me la donner tout de suite. Mais vu qu'il y a du décalage, moi, il faut que je meuble. Alors, est-ce que j'ai pas fait de bourde? Petit raid sur 1, Gaming Live 1 des rétros. Ok, normalement on est bon. Est-ce qu'on est bon? Petit raid sur Gaming Live 1 des rétros avec la phrase Maudit ou la puissance du Vlog. Merci de ne pas spam. C'est parfait, on se retrouve là-bas. Je vais lancer quand même pour voir ce magnifique raid parce que je suis sûr que vous allez tous jouer le jeu car vous êtes des gens totalement adorables. Elle est en train de jouer à Hotline. Ah, de la pub. De la pub, ça a l'air bien. Vous pouvez passer... Voilà. J'ai pas la confiance. Je, voilà, mais il y en a trop. J'y arriverai jamais. Attendez, moi aussi, faut que je le copie et que je le mette. Faut mourir, Maudit, mais j'aimerais bien. À l'époque, je t'avais jamais vu en stream ou quoi, donc j'étais même pas affûté. Mais là, me replonger dans le site de Lucas m'a fait penser à ça. Bah oui, c'est ça qu'on a mal. Maudit ou la puissance du pote. C'est bon. Oh, cette tête. Bon allez, je vais la host, on va finir la soirée devant son stream en mode à la cool et demain soir on essaiera de faire cette mission en difficile et de voir si la Glulu Team survit. Merci à tous pour la soirée, c'était fort sympathique, je vous fais des bisous, je croisais les doigts pour moi pour l'appartement, je rêve de la voir, j'espère que ça va se faire et on pourra vous faire des streams de folie dedans. Voilà, ce sera extrêmement positif pour la chaîne, je pense. Des bisous à tous. Je pense que je vais pas dormir beaucoup cette nuit. Allez, ciao ciao tout le monde. Je me cache. On me voit plus. J'attends quelques secondes et je lance le host. Des bisous, ciao ciao.